XP haute fréquence dispose d'un nouveau dispositif d'alimentation. La batterie vient désormais se loger dans le tube du bas de canne. La fixation de la batterie s'effectue en 4 étapes. Alors tout d'abord, on va venir fixer cette petite pièce que vous voyez là, à cet endroit-là. On va venir fixer notre bas de canne sur le disque. Alors il y a un sens à respecter. On va prendre le côté creux. Je vais venir mettre ma petite rondelle en caoutchouc sur le côté gauche. Et je vais venir fixer l'ensemble comme ceci. Je viens mettre l'entretoise, cette petite pièce, dans son petit logement. Ici, comme cela. De l'autre côté, l'axe, comme cela. Hop. On vient serrer l'ensemble. La canne est désormais fixée. Prenez maintenant la petite tirette rouge et venez la fixer sur la petite prise du disque. Et on va venir passer l'ensemble dans le trou du bas de canne. Comme ceci. On va venir fixer ensuite la batterie. Donc il y a un petit sens à respecter. On vient la fixer sur la petite connectique qui est ici. Une fois qu'on a respecté le sens, on vient serrer avec la petite paille de serrage l'ensemble. Et voilà. Maintenant, on va venir retirer la petite tirette comme ceci. Et la batterie vient venir se loger dans le bas de canne comme cela. Une fois la batterie correctement branchée, votre disque va se mettre à clignoter. Votre batterie est désormais installée, il vous reste plus qu'à connecter votre disque avec votre Deus en renseignant son numéro dans la télécommande ou votre casque sans fil. Et c'est parti !